On est là de la planète Twitch. Drop the mic here on YouTube. Drop the mic, welcome to the party, welcome to the family, Echo Games TV. Bonsoir YouTube, comment vont? Je vous voyais Cloud qui tourne sans fond. Et voilà. Et voilà, bonsoir YouTube. Mon nom est Echo Games QCTV. On se retrouve dans un univers près de chez nous qu'on connaît bien, Final Fantasy X. On continue. La dernière fois qu'on s'est laissé, nous étions pris dans un genre de temple avec aucune issue possible après qu'un monstre nous ait coursé dans l'eau. Et nous avions un invité qui nous guidait au travers de ce méandre, qui va nous guider plus souvent maintenant. Il va être là un peu plus présent lorsqu'il nous sera en live. Il va participer à ses lives Final Fantasy avec nous sur Twitch. Parce que oui, nous sommes en rediffusion de Twitch. Et vous êtes en enregistrement, donc bienvenue à vous tous. Je mettrai le lien dans la description. N'oubliez pas de lui mettre un pouce bleu, de vous abonner, de laisser un commentaire, de faire ce que vous voulez. Bienvenue dans la Echo Family. Accueillons sans plus tarder Kimik. Bonsoir Kimik. Bonsoir Kimik le Fury, qui est également streamer Twitch. Son lien sera en description de la vidéo. Deuxième chose, Kimik, explique-nous où. Le pourquoi du comment on est rendu là, parce qu'ils ont vu la première partie, la première épisode, la deuxième, mais ils savent pas trop suivre ceux qui se viennent de s'ajouter. Qu'est-ce qu'ils ont manqué en fait? Explique-nous ça, Kémy. En fait, nous avions parti de Zalarkand. De Zalarkand, et nous avions été attaqués donc par la ville de Zalarkand. Exactement. Un monstre qui s'appelle, on ne sait pas trop encore c'est qui. On essaie de tergiverser d'hypothèses à un autre, moins chimique, on ne sait pas ce qui. Il nous a projeté dans un genre de tunnel sans fin qui nous a emmené dans une espèce de temple, dans une dimension parallèle ou je ne sais quoi. Et en fouillant dans les environs, on a trouvé quelques coffres et on s'est vu poursuivre par trois poissons humains, si je peux dire ça comme ça. Et ce que je pensais être la maman, mais non, en fait. Elle a attaqué, il nous a attaqué, et il nous a propulsé avec sa bouche et son souffle dans un temple qui semble sans issue. Mais trouverons-nous une issue? Exactement. Nous allons savoir ça maintenant. Dès maintenant. Rebonjour YouTube, rebonjour. Nous sommes toujours flanqués de Kimik, qui va nous guider dans cette belle aventure. Vous voyez, nous sommes dans ce temple Oscanvolès, et là on a un feu. Les restes d'un feu de camp. Donc, a priori, je crois qu'il faudra le rallumer. Donc, exactement. Il nous faut, a priori, trouver des morceaux de bois. Moi, je te dirais d'aller dans la porte de gauche en premier. Et si j'allais dans la porte de devant en premier? Bon, il y a peut-être un coffre quelque part à droite. Oui, on va y aller après, mais je sais... Il y a un coffre... Reviens, c'est pas... Oui, attends. Ah, on a quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est? Des feuilles séchées. Alors, fleur couchée. Oui, t'inquiète, je vais y aller, t'inquiète, Kimik. Ouais. Je sais qu'il y a un coffre en bas, on va faire le tour de toutes les portes et on va trouver comment allumer ce... En haut, un coffre aussi. Oui, je sais, Kimik. Donc, on a déjà des herbes séchées. Après, on voit comme de la vapeur d'eau, ou de l'eau froide, qui émet des courants d'air froid, donc du vent froid. Donc, nous, on va tenter de trouver ce qu'il y a à trouver en haut. Qu'y a-t-il quelque chose ici? Ah là. Ouais. Donc a priori là, on a de la potion, on a récupéré des items, des plantes séchées. On a une partie de ce qu'il nous faut pour le feu, mais ça nous prendrait bien peut-être du bois. Allez nous chercher Olivier Dubois. Non, on rigole. Ouais. Donc, avant d'aller dans l'autre salle de gauche, il y a un coffre dans la salle du milieu. Faut juste que tu le trouves. Il y a un coffre caché dans la salle du milieu. Et comme je disais précédemment dans cet enregistrement YouTube, dans cette vidéo, nous avons arboré... j'ai arboré ce chandail de Mario pour souligner le départ à la retraite de nul autre que Charles Martinet. Un jeu qui date à peu près de la même époque, sinon un peu plus tôt que ce jeu-là. Je suis revenu dans la salle. Excusez-moi quand je parle, des fois mon cerveau est un tantinet occupé, il fait n'importe quoi. Là, on retourne en bas, on va tenter de trouver le bois. On a récupéré les fleurs séchées, je vais vous montrer juste en faisant un tuto en même temps. Les fleurs séchées sont juste ici. Dans le vase, exactement là. Donc si vous voulez les récupérer, ils sont là. Pour ceux qui seraient tentés de refaire le même exploit que moi, terminer ce jeu à 100%. Il s'agit de notre troisième et dernière vidéo de la soirée pour ce qui est de Final Fantasy. Et là, on a d'autres... Là?
Ouais, à droite de la porte. À droite de la porte. Non, c'est ça, il y a absolument rien. L'autre porte, où tu étais. Si, si, si. Ouais, non, je sais. À droite de la porte. Toi, à droite du. Toi, il y a un coffre. Non, à droite de la porte. C'est celui-là. Oui, c'est là, il y a un coffre. Je le vois pas. Tout le monde. Il y a à droite. Non, il n'y a pas de coffre, Kémy. Attends, là, Non, c'est l'autre porte ici, Kémy. Ouais, ok. Ah, que c'était l'autre porte. On l'a vu, ouais. Regarde, il est juste derrière dans la cascade. À gauche, quoi, non? Non, attends. À droite de la main. Attends, où t'as raison. Il y a une autre porte. Oui. Attends. Ah, c'est pas là? Et où ça? Où est-ce que ça nous mène? Ah! On est où là? Non, c'est où tu arrives ça. Là, c'était où tu étais ça. Oui, mais je crois qu'il y a un coffre là, non? Là, c'était le début du. Non, c'est dans ça du milieu. Il y a là, il y a pas ce coffre. Je faisais juste vérifier, Kimik, parce que là, il nous manque quand même le bois. Et c'est assez alarmant pour réussir à faire notre quête, pour tenter de s'extirper in extremis. Je viens de voir le coffre. Il est là. Voilà. Ouais, il est là. Maxi potion. Ah, ça c'est bien. Est-ce qu'on peut... Non, là, je ne peux pas ouvrir la porte. Non, elle ne s'ouvre pas. Une autre porte s'ouvre. Il y a une autre porte qui peut s'ouvrir. J'imagine que. Ouais. C'est à gauche. Côté gauche en haut. Ouais. Ah là. La porte où il y a le save. On va sauvegarder après. A priori. Ah, examiner. Qu'est-ce qu'on y trouve? Voilà. Après avoir pris le bois, n'oublie pas de sauvegarder. Hein. Tu vas tout commencer. Pourquoi je suis Keblo là? Pourquoi tu galère? Mais dans le meuble à gauche. Meuble à gauche. Je sais, mais la salle était comme un peu buggée là. Parce que t'as vu, je n'étais pas en mesure de me déplacer, ça me bloquait pour me rendre au meuble à gauche, justement. Ah là, non, c'est des pierres de feu. Ouais, exactement, c'est ça que tu fallait. Yep. Là, on a ça. Là, oublie pas de sauvegarder. Je n'oublie pas. Un mini boss, on va se le dire comme ça. Est quand même assez compliqué le boss. Pas très, mais moyen. Donc là, on va allumer le feu, c'est chaud. C'est dangereux. Ne jouez pas avec le feu à la maison. Demandez à un parent de vous aider à allumer ce feu. Ou à un ami, à une personne qui a une figure d'autorité, s'il vous plaît. Bah oui. Oh, je n'aime pas ce son. Il y a du danger dans l'air. Ça sent mauvais dans l'air. Voilà. Ouais. Eh oui. Alors, quoi est-elle? Ah, on se réchauffe, mais malheureusement, j'ai peur que le toit va s'effondrer, moi. Je dis rien. Alors, voyons voir. J'ai la dalle. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on va manger? Ça veut dire qu'à la fin, ça, c'est déjà la dalle. Attends. Mais qu'est-ce que tu veux? Oh, c'est une erreur de débutant. Une horreur, ton équipe a perdu par ta faute. Je sais pas, mon toi, c'est qui a ramené le monstre, hein? C'est toi. Oh, tu l'as même appelé. Donc, je pense pas que c'est moi qui est fautif dans cette défaite. Non, ça c'est pas eux. Ça c'est pas eux qui parlent, ça. Moi, pleurer? Ouais. C'est qui ce Navo qui me dit que je pleurais là, hein? Alors. Oh oh. Bonne chance, Echo. Oui, bonne chance. Hey, bonne chance. Va comprendre pourquoi. Ton personnage va comprendre sa douleur. On est perso. Oh oh. Oh oh. People. Ah ouais. Ça c'est pas rigolo, c'est pas les mêmes créatures que tantôt. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Ah, tu veux te battre? Allez, viens. Allez, viens, on va se battre tendrement. Allez, viens. On va se taper tendrement. Ah, I-O-U, vous m'aimez? C'est vrai. Oh. Ah, allez. Oui, merci. Ouais. Mais lâche-moi tranquille, le monstre. La flemme, mais arrête de... Il me rate. Moi, je te rate pas. C'est, le monstre s'appelle Len. Regarde bien qui va arriver, là. Ne dis rien, car on ne sait pas qui il est. Ou qui il est. Non. Il est Len. Oui, bonjour, je vous attendais pas. Et voilà, on en a une sortie là. Est-ce que... Ah ouais. Je vous présente une mystérieuse expéditionnaire qui quand vient nous arrêter quoi, nous arrêter, nous aider. Ah ça se va voir, je dis rien. Elle me dit viens. Let's go, tu vas. Elle est sexy, hein, la personnage, la fille, là. Elle, en fait, cette technique, je peux te dire cette technique, c'est que... Oui, oui, vas-y. Elle peut voler et puis elle peut garrocher des grenades. Ah, oui. Elle peut voler et garrocher des grenades, oui, exactement. Alors, je peux absolument rien faire, qu'est-ce qui se passe? Faut utiliser. Ah voilà, bon. Les grenades, utiliser les grenades. Alors. Ah, on a volé une grenade à cette créature. Grenade. Et voilà, battu, c'est comme ça qu'on s'y prend, ça semblerait-il. Ça me laisse suspicieux, mais qui est cette étrangère? Le sauront-tu tout de suite? Ou le sauront-on? Le saurons-nous tout de suite ou le saurons-nous Kimix, tu m'entends toujours ou pas? Hey, oh. Encore une fichue femme d'internet. Oh là 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 là, mon téléphone est où? Là, on n'est pas d'internet, j'appelle des gens. Kid, it's my job. Hey, that hurts. Usujek, right? Whoa. Okay. Kindness. Huh?
Right, whatever. Do we hood kabang? I said I don't understand. Akumala! Fed! He said you can stay if you make yourself useful. You understand me? All right, I'll work. Allô? 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 Désolé, chat, il y a eu une petite interruption d'Internet pour mise à jour. Je suis complètement désolé à Barsudis. Tu m'entends, Kémik, ou pas? Oui, j'entends. J'ai vu que t'avais coupé. Ah, c'est ça, il y a eu une petite panne. Sinon, tout va bien, chat. On est de retour. On va continuer où on a laissé. Je sais que ça fait 18 minutes qu'on tourne. On coupera au montage les bouts où il n'y avait pas d'Internet et tout. Et... Non, va au bout du bateau à droite. Attendez, chat. Je vais juste remettre mon chat kick avant de passer à autre chose. Et là, Kimik, après ça... Tu te couches à quelle heure, toi, Kémik? Mais moi, je me couche après ta vidéo, là. Oui, parce qu'il me restait encore deux autres vidéos à faire, mais pas sur ce jeu-là. Ça te dérangerait pas de m'accompagner, j'aurais eu besoin de toi, c'est un jeu que je kiffe aussi. C'est une surprise que je te réservais. Ok, pas à droite du bateau. Donc, les gens, bref de bavardage, je précise de faire du montage, les joies du montage à droite du bateau, avant le... Là oh, you, non, oui, pas au ça. Au bout. Oh, merde, je pense ça va. T'es mort ou pas? Pas ça. N'est-ce pas cela? C'est à terre. Non, je sais. Ouais, est-ce que je peux aller encore ou il est trop tard? Oui, tu peux. All right. On comprend pas trop ce qu'il dit. Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Ah, c'est comme les Français qui disent aux Québécois. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Manuel Albert, elle correspond aux lettres A. Donc, on va parler. Regardez, il y a autre chose. Sauvegarde, je te dis. Ou est-ce qu'on peut rentrer dans le vaisseau ou pas? Si, non, peut-être. On peut pas rentrer dans le vaisseau. Tu peux pas, en fond, tu sauvegardes et tu peux tuer le personnage.
Ça va te montrer ce ferry et tout et tout. Ouais, mais... Attends, je vais cliquer pour activer le chat parce que là, ça va me planter malgré moi. À droite, je ne vois pas quand vous écrivez. Désolé, chat. Catherine, bon, est-ce que vous êtes prêts? Oui, on sait comment ça marche le sphérié, hein. On n'est pas né de la dernière fille, hein. Mais c'est plus dur, t'as pris expert, hein. Oui, 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 oui. Mais non, mais moi, je trouve pas ça plus dur, je trouve ça plus facile. Parce qu'on est beaucoup plus fort. Pas du tout. C'est pas du tout, au contraire. Oui, c'est bon, arrête de... Ça serait le fun qu'elle arrête comme de me parler, que je puisse écouter, mais... Et tu peux arrêter de me... Oui... Non... Oh mais sérieux, arrête de me parler, j'ai compris. Stop. Ah voilà. C'est plus dur de se faire expert, on se dit. Ouais, je sais. Et là, on va s'en aller. Ouais. Voilà. Ah, on peut plus utiliser. Et là, si on fait ça, est-ce qu'on peut... D'accord, là, on peut rien faire ici. C'est bon. La sphère qu'on fait, on retourne au menu. Et là, on va aller sauvegarder encore une fois. Et on va aller reparler à cette personnage qui nous donnera peut-être son nom, peut-être pas tout de suite, on verra. Que tu fais aux autres personnages, puis c'est nous qui vont te donner des items. Il y en a qui prennent des objets dans le perso. Voilà, tu vois. Une disfériée. Il y en a juste un qui donne un objet là-dedans. We found some agent. It's not active now, but the... we're gonna go down, and then we should be able to. Okay. Roger. All right. Donc les gens, avant de continuer cette aventure, je vais mettre ça en pause. Attendez deux secondes. On ne bougera pas d'ici. Je sauvegarde un salle. On va arrêter ça là, Québec, pour cette partie. Donc, les gens, ça complète ce troisième épisode. Je vais juste balancer l'autre scène, voilà. Donc, merci, YouTube, d'avoir été là pour ce troisième épisode de Final Fantasy X avec nul autre que notre invité, le super, le talentueux Québec Le Furie. Allez voir sa chaîne, le lien sera en description. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner, bien sûr. Et on se retrouvera pour le quatrième épisode sous peu. Vous l'aurez d'ici. Exemple, là, les trois premiers épisodes ont paru aujourd'hui de Final Fantasy X. Vous aurez par la suite trois épisodes de Resident Evil 3. Et on ressortira peut-être durant le week-end, ou peut-être demain ou après-demain, d'autres épisodes de Final Fantasy en mode de courts épisodes. Et à un moment donné, on s'étalera plus longuement sur le jeu. Pour l'instant, c'est des petits épisodes de découverte au début. Et au moment donné, une fois qu'on aura atteint, qu'on aura fini le disque spatial, on passera avec des blocs d'épisodes de 1 heure dans chaque jeu par jour. Donc, une grosse épisode. Mais on commence avec des petits épisodes de 14 minutes environ. Et on se retrouve très bientôt avec Kimik pour du Final Fantasy X et du Resi 3 Remake, bien sûr. Allez, je vous dis à plus. Et on se retrouve avec le mot de la fin avant pour Kimik. C'est vrai, on a oublié. Donc, Kimik, dis-moi, je César, je ne boirai pas de ton... Non. Parce que l'aisselle, elle laisse l'eau chaude. Allez, à plus les BG. On se retrouve bientôt. La famille, la team. On se retrouve bientôt. À plus. Bonsoir YouTube. On est là de la planète Twitch. Drop them.